Bonjour, dans ce troisième épisode, vous allez découvrir comment la Gaule a enchaîné les âges d'or, rejoint par d'innombrables personnages illustres et des architectes les plus doués les uns que les autres, cette nation qui n'a jamais connu la guerre et qui finalement, avec quelques mots, va changer le monde. En 1460, le monde entre dans une ère industrielle et la Gaule, elle, entre une nouvelle fois dans un âge d'or pour la troisième fois de son histoire. Choisissant comme engagement le cœur de la vapeur, qui aura pour but d'améliorer la productivité de ses habitants quand il s'agira de construire notre merveille. Un événement étrange survient 30 ans plus tard, lorsque Jérusalem rompt l'alliance avec la Gaule et déclare la guerre à Kaboul pour des raisons inconnues. La Gaule perd son plus vieil allié, une alliance qui aura tout de même duré plus de 3700 ans, Ambiorix ira voir personnellement le chef de Jérusalem et posera une seule et unique question. Ça va pas mon pote, tu veux que je te rase le crâne? Malgré cette triste nouvelle, la Gaule reste debout alors que Amanitore vient à son tour en Gaule pour déclarer son amitié. Et c'est finalement en 1545 qu'une alliance est signée, la toute première alliance de l'histoire avec un autre pays. Cette alliance, qui a uni ces deux nations, a créé un véritable monstre sur le monde, la Gaule étant le pays le plus riche et le plus développé, tandis que la Nubie, elle, possède la plus grande armée du monde. La même année, la Gaule découvre l'aviation et crée donc dans la foulée des aéroports. Tandis qu'elle termine la construction de l'Ermitage, l'un des plus grands musées du monde, ainsi que le palais du Potala. La Norvège, de son côté, vit des jours très sombres puisqu'en 1570, la capitale se révolte. C'est historique, c'est la première fois que les habitants d'une capitale prennent les armes. Nous sommes donc partis sur le terrain pour enquêter. Et oui, Grigny, je me trouve dans les rues de Nidaros, et ici, c'est la guerre. Comme vous pouvez l'entendre, les habitants sont dépressifs et suicidaires. J'ai eu l'occasion d'interroger quelques habitants et ils sont tous d'accord pour dire que la Norvège, ça pue la merde. Écoutez par vous-même. Oui, ça pue la merde. Eh bien, merci à Michel pour cette intervention et cette enquête. On se retrouve plus tard. Bisous Michel. De retour du côté international, visiblement, personne n'aime la Norvège. C'est un véritable fléau qui s'abat sur elle. Et pour ne rien arranger, l'Allemagne vient voir la Gaule pour lui demander de l'aide afin de frapper son adversaire déjà à terre et tout nu. Ambiorix se refusera car la Norvège n'a rien fait à la Gaule pour mériter de se faire frapper. En 1580, Gustave Eiffel rejoint la Gaule et suivra les traces de Isidore de Milet en construisant à son tour trois merveilles mondiales. Petra, en 1595. Le théâtre Bolchoï, la même année. Et le Ruhr, en 1610. Malheureusement, une terrible nouvelle est annoncée à Ambiorix, puisqu'en 1585, l'espion Jacobi, qui a œuvré dans l'ombre pour la Gaule pendant 350 ans, a trouvé la mort lors de sa mission. Mais il aura tout de même atteint son but. Ambiorix pleurera sa mort pendant de nombreuses nuits et dira dans ses mémoires « Jacobi, il était comme un frère pour moi. Sniff. » Suite à ça, il ne se passera absolument rien de notable pour la Gaule pendant près de 150 ans, mis à part la construction du Christ Rédempteur en 1710 et de Broadway en 1725. Mais aussi la fondation de deux villes, Bibrax en 1660 et de Divodurum dans le Pacifique, qui servira uniquement d'avant-poste militaire. Les scientifiques de la Gaule découvrent en 1735 qu'elle pollue le monde, qu'elle pollue vraiment beaucoup. Rien d'alarmant pour le moment, mais il va falloir se pencher sur la question tôt ou tard,
car la fonte des glaces, elle, a déjà commencé. Et les scientifiques nous donnent encore 300 ans avant que cela ne devienne dramatique. 50 ans plus tard, la ville de Athènes cède sous l'influence gauloise après avoir construit l'opéra de Sydney. Et recruter Nikola Tesla, pour finalement déclencher un nouvel âge d'or pour la quatrième fois consécutive de son histoire, lorsque le monde entre dans une ère moderne. En voyant la réussite incontestée de la Gaule, le Canada demande un entretien avec Ambiorix, et ce jour-là changera à jamais la vision de la Gaule sur le monde, et qui en d'autres termes, changera le monde lui-même. Cela va être vu comme une évidence pour la Gaule. Elle doit changer le monde et personne n'est en mesure de pouvoir l'arrêter. La Gaule décide donc en 1824 de passer à l'action. Elle ne peut plus se permettre de rester inactive face à ce monde qui s'entretue. Le peuple se prépare donc à la guerre, avec comme devise, tous unis sous une même bannière. Car quand on y réfléchit bien, faire partie de la Gaule, c'est être en paix avec le reste du monde. Alors si le monde devient la Gaule, le monde est en paix. Étrangement, suite à cette déclaration, la Gaule n'a encore rien fait, mais une nation inconnue est au courant du plan. Il y a donc un traître dans les rangs, les quartiers résidentiels sont sabotés et deux groupes de mercenaires font leur apparition. Ces mercenaires vont être facilement éliminés, leur armure de fer et leur lance ne feront pas le poids face aux mitrailleuses gauloises. La conquête du monde va être plus compliquée que prévu, lorsque notre espion infiltré en Angleterre révèle la présence d'une grande armée prête à se battre. Heureusement, l'Angleterre ne fait pas partie des premières cibles, car effectivement, d'après le plan envisagé, l'objectif premier est de contrôler tout d'abord les océans, et pour y parvenir, la Gaule doit prendre le contrôle de toute l'Indonésie et de l'Australie. Les Maoris possèdent deux villes stratégiquement placées, et il n'y a que eux dans cette partie du monde. Une fois cet objectif atteint, l'armée partira en direction de l'Amérique, et commencera une invasion qui permettra, une fois conquise, d'attaquer le vieux monde en sandwich. Voilà comment le plan est envisagé si tout se passe comme prévu.